maintenant avec les supporters en opposition entre deux équipes en forme. Ouais, le bon jeu de passe. La merveille de passe même. À l'intérieur avec Dessert, la perte de balle. Allez, l'occasion de revenir peut-être. Mason, le lay-up s'est manqué. Et derrière, à 3 points, ça sanctionne. Les Nanciens qui souffrent dans ce premier carton. À l'inverse de Milan Barbic. Ça y est, il commence à prendre feu. Le meneur français de 22 ans. Le deuxième marqueur de la Ligue, le troisième meilleur passeur de Betclic Elite. Non, ça n'attendait pas, pardon, à avoir une telle différence entre ces deux équipes dans ce premier carton. À 2 minutes désormais, et nouvelle balle perdue. Ça va profiter au Blaisois avec le cost-to-cost. Brock Mason qui a été recherché. Et finalement, ça vient claquer le dunk pour Tyron Johnson. De retour dans son ancienne salle, il montre de quoi il est capable. Tyron Johnson, la perte de balle à nouveau de Tyron Johnson pour aller claquer le dunk derrière. Évidemment qu'il va en profiter, Armel Traoré. Nwamu à l'intérieur pour Frisch. Frisch, c'est réussi. Allez, Frank Mason ne sera pas accepté. Ce panier, ah si, finalement, pour l'Américain de 32 ans. Omunu, Captain Omunu, qui vient claquer le dunk. Meredith Omunu, en tant que numéro 1 de draft. Un sujet donc sur la folie, Wembamania a retrouvé à la pause dans quelques secondes. Après ce tir longue distance, voilà, on parle de Wemby et Timothée Vergia, ça lui donne des ailes. Il était en difficulté, les Blaisois, sur ses dernières possessions. La récupération de balle, Nancy qui retombe dans ses travers, ça va profiter à Barbic, évidemment, il est facile. Peut-être venir trouver une passe décisive et plutôt y aller au panier. Oh, le contre, ça y est. Il s'impose, Steven Thompson, dans la raquette confin. Et derrière, peut-être la sanction avec le 3 points de Tyron Johnson qui vient climatiser son ancien jardin. Mason. Mason. Oh, il vient allumer la mèche, Jordan Bowden. On l'a très peu vu depuis le début de la rencontre. 3 points. Et derrière, la récupération pour peut-être venir claquer ce dunk. Le contre, incroyable! Est-ce qu'il joue sous le maillot de Brown ou celui de Nancy? Allez, bonjour chez vous. On avait allumé la clim à Saint-Quentin la semaine dernière et qui, pour l'instant, est plutôt discret. Là, voilà le 3 points de l'espoir pour la DA Blois. Tyron Johnson à la passe. Une nouvelle fois, ça passe pas. Woodard, incroyable sur la défense. C'est un mur. Woodard. Oh, la tentative de Pitas pour Dessert. Le ballon est perdu. Et derrière, le dribble est parfait. Et le lay-up est tout autant. Frank Mason. Classement des marqueurs de cette rencontre. Barbic. Il est là, hein, le match du meilleur marqueur. Barbic, magnifique. Il a le panier dans la tête. Par le président Aurélien Fortier également. On n'en doute pas. Timothée Vergia pour le Hollywood. Le service impeccable. Les Maïkin, toujours performant dans la raquette. Mason à la passe, cette fois c'est manqué dans le corner. Il va être un peu court, la récupération cette fois d'Amoumou. Et un solo de réussite pour Tyron Johnson. Barbic, lui, va pouvoir également emmener les siens vers le cercle avec Woodart. La fin de Woodart, le petit shoot à mi-distance. Le petit tour de Frank Mason, shoot en déséquilibre, le rebond pour Dessert.
Et Barbic désormais pour écarter vers Ryan Brown. Point du SLUC Nancy. Action Timothée Vergia. Milan Barbic, le petit caviar pour Dester, la cerise sur le gâteau pour revenir à 83 partout. Et on a un public qui va commencer à se lever maintenant pour donner un maximum de force aux siens. Barbic, c'était réussi. Quel talent, Milan Barbic, chastelant parfois. Du haut de ses 22 ans. Est-ce que c'est le N1 qui a été ciblé ou non ? Peut-être revenir à hauteur de la Diablois. Tyron Johnson, une nouvelle fois, le petit tour sur lui-même. Ouais, magnifique ! Le mouvement collectif. Avec la dernière possession, Frank Mason, sous les sifflets de la salle du jeu de paume. Allez, pourquoi pas le buzzer beater ? Il va être tenté par Frank Mason. Frank Mason, le lay-up ! Ça ressort la claquette ! On aura le droit à une prolongation ici dans cette salle du jeu de paume. Pour jouer la musique, Lorraine. 39 minutes sur le parquet et encore capable de délivrer de magnifiques passes décisives comme celle-ci pour Shevon Thompson. De nouveaux points pour recoller au score avec Milan Barbic. Le Hollyhoop cette fois réussi. Trouver Josh Howley à la recherche. Son petit cadeau d'anniversaire, 27 ans aujourd'hui, Josh Howley. Et derrière, il y a un peu de laxisme là sur Shevon Thompson, évidemment. Si on lui laisse le champ libre, il ne va pas s'en priver. Dominant dans la raquette, le Jamaïcain. Auteur de la faute tout à l'heure pour venir chercher dans la diagonale un airball qui fait mal pour Armel Traoré. Heureusement, la réaction d'un coéquipier au buzzer. Mason face à Carberry, entraîné dans ses dribbles. Oh oui, la passe lumineuse pour venir trouver Shevon Thompson. Ça montre la détermination de Milan Barbic, son envie de rien lâcher justement. Robert Woodhart avec le 3 points tenté par Armel Traoré, c'est manqué, le rebond pour Blois. Woodhart désormais, Woodhart à 7 secondes de la fin. Il va permettre à Blois d'encore espérer. 95-96. Nancy d'une courte tête. N1. Et à la relance, Timothée Vergia. Pour remonter à la balle, Milan Barbic, évidemment. La faute rapidement effectuée. Rapide sportive. A priori, le numéro 10. Blaisois, le 2 sur 2. Et derrière, possession. Une forteresse presque imprenable. Allez, le panier de la garde Nita pour Woodhart. C'est manqué. Derrière la claque est blanc. Le coup de sifflet. Le coup de sifflet parce qu'il y a une faute. Champion d'Allemagne en titre avec Ulm. Et peut-être prêt à envoyer la DA Blois vers une victoire. Le 2 sur 2 de Josh Howley. Le caractère de l'homme. Avec ce shoot finalement qui ne rentre pas. On avait cherché Tyron Johnson pour emmener Blois vers une défaite cruelle face à ses anciens coéquipiers. Finalement, c'est le succès de la DA Blois et la célébration totale autour de Josh Howley.